Ce 15 octobre, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée internationale de la canne blanche. La Journée internationale de la canne blanche, c'est une journée qui nous donne l'opportunité de parler encore de la vie du déficient visuel, de parler le rôle que joue la canne blanche dans la vie du déficient visuel. La canne blanche, c'est d'abord le symbole de la cécité, le symbole du déficient visuel. Lorsque la Journée internationale de la canne blanche est célébrée dans le monde entier, c'est pour déjà montrer l'importance que cette canne a dans la vie. Pour cette association, cette journée s'articule autour de diverses activités. Nous lançons la journée aujourd'hui parce que c'est la date internationale, mais nous allons exercer nos activités durant tout le mois de novembre. Nous voulons faire passer un message qui concerne la vie du déficient visuel et pourquoi la canne blanche dans la vie du déficient visuel, et s'ils peuvent nous accorder de l'importance comme on l'accorde à tout le monde. La canne blanche demeure un outil essentiel pour la mobilité et l'indépendance des personnes souffrant de cécité visuelle. La Journée internationale de la canne blanche représente pour moi une journée qu'on doit célébrer. Parce que tous, autant que nous sommes des potentiels handicapés. Cette journée, instaurée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles, a pour objectif de contribuer à la promotion de la sécurité et de l'accessibilité pour les personnes ayant une déficience visuelle.